on a toujours les ballons de l'Aïd, il faudrait qu'on les décroche. Bienvenue dans ce nouveau vlog là, férié aujourd'hui. Et direction Woodland de nouveau. Bah décidément, c'était parce que proposé, elle habite à Woodland. Ah oui, tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal? Voilà, on y va, let's go. C'est parti pour Woodland. Oh mais salamat Halilaya, c'est bien Haroun, mais c'est passé. C'est la voisine. Elle va nous inviter pour manger. Je sais pas ce qu'elle va cuisiner pour nous, local sûrement. Hein? Non, pas aujourd'hui, Mariam, elle vient de dire pas aujourd'hui, mais non, elle a dit qu'elle allait nous dire quel jour. Donc là, on s'en va chez Aïn. Est-ce que vous vous souvenez d'Aïn? J'avais fait un vlog il y a super longtemps et elle était dans le vlog. Deux fois, elle est venue avec nous à Kuala Lumpur. Tu te rappelles quand je t'invitais à l'événement, c'est une fashion week. Donc ici, après la fête de Hari Raya, les gens organisent ce qu'ils appellent des open house. Littéralement, ils ouvrent leur maison pendant quelques heures et les gens se rendent visite. Donc du coup, là, on va à open house, sauf qu'elle ne le fait pas chez elle. Elle a loué une petite salle en bas de chez elle. Il y a beaucoup de personnes qui louent ce qu'on appelle les function rooms. Et voilà, donc je suis contente, on va se revoir. Et il y a une copine aussi, celle chez qui j'étais la semaine dernière, qui sera aussi là-bas. Et c'est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de voir comment on célèbre la fête de l'Aïd finalement dans le monde. Et ce principe d'open house, moi j'aime trop, franchement c'est trop bien. Voilà, donc en général il y a un traiteur qui ramène de la nourriture. Il ne cuisine pas la plupart du temps, c'est un traiteur. Et les gens viennent habillés, donc c'est pour ça, bon je me suis habillée assez simplement, mais les filles elles ont voulu mettre leur habit de Hari Raya. Et moi je vous parle, et Rania elle me dit, maman on devait pas prendre quelque chose à manger, j'ai oublié l'assiette de gâteau et les petits goodie bags pour les enfants, donc Ahmed il est parti récupérer. Il y a un petit café qui a ouvert ici, à chaque fois je me dis il faudrait qu'on aille faire un petit tour, c'est une... Mamie. Oui ma chérie, mon chéri. Ils ont bien mis Muslim Owner Bakes Shop. Non, c'est là-bas, Haroun. On est de l'autre côté là-bas. Et il y a la petite fille avec son petit hijab, trop mignonne. Et un petit coin apparemment avec des livres religieux. Donc il faudrait qu'on aille faire un tour à l'occasion. Qu'est-ce que Mariam elle a choisi sa tenue? Elle avait plusieurs robes pour Hari Raya, des ensembles traditionnels, mais elle a décidé de remettre celui qu'on avait porté pour le photoshoot. Je sais pas si vous avez vu les photos sur Instagram. Mariam, tu me montres ton ensemble, il est trop trop beau. Waouh, cool, t'as mis ça avec des petites converses roses, son petit sac, Rania. Ça va, Rania? Ouais. Et ça, ce sont des sacs faits à la main qui viennent d'Indonésie. Et oui, toi aussi, Haroun. Et voilà mon petit chéri Haroun, il a un petit ensemble dans lequel il se sent super à l'aise. Et un petit stylo, le stylo de ses sœurs. Un stylo magique. Allez, on y va? Let's go? C'est parti. Vous avez appuyé? Ok. Ça va? Alors ici quand tu prends une douche, tu te douches, tu sors au bout de 2 minutes, ça y est quoi, je suis en sueur, je dégouline, je suis en train de dégouliner et oh mon dieu, d'ailleurs c'est pour ça que franchement j'aime pas me maquiller, je déteste me maquiller en fait ici, parce que vous êtes tout humide, en sueur, moite et voilà, en général je suis comme ça, nude, rien du tout. Je mets ma crème qui comprend une protection solaire parce que des fois j'oublie la protection solaire, donc du coup en général je mets une crème coréenne qui est super bien, de la marque Adalabo. Je vous en ai déjà parlé de cette marque qui est assez connue, ils ont des nettoyants visage et plein de produits super sympas. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une crème Haroun, les papillons, il y a plein de papillons. Mais c'est pas des attrapés. Et donc je vous disais, ils ont cette crème qui est tout en un. Et qui est super pratique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est. Ah, le bus 89, c'est trop tard, papa. Où est-ce qu'il est, papa? Ah, il est trop loin. Oh, tant pis, on va attendre le prochain. Ah, si, on y va. C'est bon, on est dans le bus. Combien de fois j'ai couru? Combien de fois je suis arrivée aux portes et le chauffeur il les ferme et il part. Mais là, il a été sympa. Il a dit c'est bon, j'attends. Donc, super. Voilà. Ah, ça fait du bien d'être dans la clim. Oh. Il fait combien de degrés, Ahmed? Il fait chaud, 34? Moi, je dis 30. Je sais pas si il fait moins chaud que ces derniers jours. Il fait moins chaud que ces derniers jours, 32. Mais il fait humide.
Exactement. Allez, c'est parti pour un peu de révision. Un peu de révision. On doit prendre un dernier bus, on va s'arrêter ici. Et en fait, on doit prendre le bus en face. Allez. This is Ayn. Hello. Long time no see. We had to eat the Korean bim-bim ban. No? Yes, yes, we had so many things. Hello. Hello. Long time, right? Long time. You didn't change. You see? Yeah, same, right? Yes, you see. You give birth? Are you kidding me? What do we have here? Okay, rendang, of course. Correct. Of course. Sambal goreng. Sambal goreng. Yeah. Sambal sotong. Sambal sotong. Okay, this one? Serunding. Serunding. What is it? What is this exactly? This is coconut. Oh, coconut. Okay. Coconut. Yes. Ketupat. Yes. Lontong. Here. My mother make noodles. Oh, noodles. Okay. Yeah, you can open it. Oh, this one? Alors ici on a le titarik. Vas-y. Titarik, yeah. On recommence, ok, let's do it again, ok. En fait, il faut, let's go. Ouh, ok. Oh yes, now we have the bubble. Thank you very much. Wow. Ok, je vous ai lâché. Il est 4h. 4h40. On est passé chez une copine. Voilà, on a bu un café là-bas, on a pris le rasol. Et là, on va rentrer. Mariam, tu as fait quoi encore? Enfin, Mariam, elle se balade partout avec ses feuilles de... C'est des feuilles de quoi, Mariam? Palm leaves. Ouais. Oui, elle a fond dedans, elle essaie de faire ses... comment on appelle ça? Rana, comment t'appelles ça? Des Katupak. Katupak. Are you okay, Rana? I want to travel. You want to travel? I also want to travel, inshallah soon. Ahmed, Haroun, il veut voyager. No, we cannot travel now, Haroun. Now we have to go home. Hein? Rania et Mariam, elles ont des examens. Et bientôt, c'est les vacances. Et là, on pourra peut-être voyager. Peut-être. Je vous montre comment on se repère ici. Vous voyez, tous ces appartements ici que vous voyez, on appelle ça les HDB. Et alors, pour s'y retrouver, en général, on va vous demander le numéro du bloc. Et en général, le numéro du bloc est écrit en très, 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 très grand, comme ici, vous voyez, bloc 517. C'est bien pratique parce que du coup, vous repérez facilement la maison. Est-ce que vous avez remarqué chaque bloc une couleur différente? Vous vous rappelez quand vous veniez jouer ici? Ouais, c'est bon. C'est l'autre que tu ici. J'ai pas peur. Vous voyez en dessous, vous avez des petits jardins communautaires. Hello. So, fruits. So, can you grow fruits, vegetables here? You grow fruits, vegetables here? Ok, alors on est invité à rentrer, on va voir ce que le monsieur... Don't touch anything, Haroun. Oh, this is yours. Nice. What do you have? What is this? What is this? Pitaka. Pitaka. Pitaka? Oh, ok. Coca-Cola. Oh, Haroun, look, carrots. Carrots, they're small. Ah, en plus, il a eu un livre sur les légumes. Remember, Haroun? So the carrots are... Yes, ils sont en dessous, elles sont en dessous, Haroun. Ok. On a encore des légumes ici. Oh, Australian pumpkin. Salut tout ça. Donc en fait, ils doivent louer. Ils louent une petite parcelle et ils peuvent faire pousser ce qu'ils veulent en fait. Je vous montre les tenues. Ils ont des tenues trop belles. Regardez ici, c'est encore la fête de l'Aïd. Hein. Les gens, ils sont encore habillés, ils rendent visite et ils ont plusieurs tenues. Trop beau. On s'est arrêté. Au petit magasin dont je vous parlais, le Lana, on a pris des éclairs au chocolat. Vraiment, c'est histoire de supporter parce que ils sont nouveaux, il n'y a pas grand monde. Et donc voilà, petite participation. Allez, on va rentrer à la maison. On va se pleurer à verse. Coucou, bienvenue dans le balcon. On va continuer. Je vais ranger toute cette partie et je vais laver le sol. J'ai récupéré de l'eau. Je récupère tout le temps l'eau de la salle de bain. Vous savez, quand vous allumez l'eau chaude, ça ne vient pas forcément. Donc je récupère et je l'utilise pour laver le sol. Donc on va ranger tout ça. Je vais trier les jouets, les maillots de bain. C'est un peu le carnage. Ça fait un moment que j'ai pas touché
et je vais aussi ranger ce qu'il y a à l'intérieur dans cette boîte là ici. Allez, c'est parti. J'ai tout lavé, j'ai ressorti le... J'ai lavé les coussins, sorti la table, elle était à l'intérieur, ça faisait un moment. Et là, on est donc ça ici c'est rangé et organisé, ça j'ai lavé. Ici les maillots de bain, serviettes, les affaires de piscine, ça ce sont mes burkini. Là il y a quelques tapis de massage sport et là on est en train de checker si on a toutes les pièces pour ces jeux ici. Quand je donne en fait je check aussi si tout est complet et on va faire le tri dans les jouets parce que vraiment là ça devient abusé hein. vraiment. On va continuer le vlog. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il est 17h30, les filles viennent de terminer leur cours. Attendez, je vais faire ça. On s'en va dans un parc, on va dans un parc intérieur qui est assez connu ici, ça s'appelle Kidstopia. Les parcs intérieurs à Singapour, c'est franchement très pratique. Pourquoi? Parce qu'il fait la plupart du temps très chaud à l'extérieur, donc du coup, on ne peut pas rester trop longtemps à l'extérieur, ou alors le soir, ou très tôt le matin. Et l'autre inconvénient, c'est que très souvent, il pleut. Donc du coup, ces parcs intérieurs, c'est super pratique pour que les enfants puissent se défouler, hein. Donc direction Kidstopia, ils ont fermé pendant un moment, ils ont rénové apparemment le parc et on va découvrir celui-ci, on vous emmène avec nous. Ready ?